Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Madame la ministre Petitpas-Taylor, distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour. Minister Petitpas-Taylor, distinguished guests, good morning. Je suis Paul Bernier, présidente de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. Il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui en direct du marché Jean Talon à Montréal pour le lancement tant attendu du nouveau guide alimentaire canadien. It is with pleasure that I welcome you to the launch of the revised Canada's Food Guide live from Montreal. La première partie de cet événement est consacrée au discours et à une présentation. La seconde partie sera une période de questions. The first part of the event is devoted to speeches and concrete presentation, and the second part will be a question period. Madame la ministre prendra la parole en premier. L'honorable Ginette Petitpas-Taylor a été élue depuis députée de la circonscription de Moncton, Riverview, Dieppe en octobre 2015. Elle a consacré sa vie à la défense d'une société juste et équitable pour tous. Elle a été présidente du Conseil consultatif sur la condition de la femme au Nouveau-Brunswick et membre de la Coalition pour l'équité salariale. Elle a été bénévole auprès de plusieurs organismes communautaires, provinciaux et locaux, notamment la Coalition contre l'abus des relations et le Comité de prévention du suicide de l'Association canadienne pour la santé mentale à Moncton. Madame Petitpas-Taylor a été coordonnatrice des services aux victimes de la GRC, où elle a offert des services d'aide aux personnes en situation de crise, ainsi que des services d'intervention contre la violence familiale, en plus d'évaluer les risques de violence familiale pour les victimes d'actes criminels. Madame Petitpas-Taylor a grandi à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et elle est diplômée de l'Université Moncton. Sans plus attendre, j'invite Madame la ministre à prendre la parole. Well, good morning, everyone. It's an absolute pleasure to be here with all of you today, and thank you so much for the warm welcome. I have to say it's a bit warmer inside than it is outside, but being your Acadian cousin from New Brunswick, we certainly appreciate the weather, and that's why we're a little bit late this morning as a result of following une souffleuse here, so my apologies for the delay. Avant de commencer, je voudrais reconnaître que nous sommes réunis aujourd'hui sur le territoire traditionnel de la nation Mohawk. Je voudrais aussi remercier tous et chacun d'entre vous d'être présents avec nous ici aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir parler de la question de saine alimentation. Today we gather here to talk about food. A dictionary will tell you that food is something that people and animals eat, or that plants absorb, to keep them alive. But I'm here to say that food is so much more than that. Food is like comfort, like the taste of mom's cooking. And I know if I look back at my memories of my mom, I certainly remember being the youngest of a family of nine kids, waking up in the morning to the aroma of fresh bread. And I couldn't wait to get downstairs and put perhaps a little bit of butter on it and just savor it. But food is also more than that. I also remember coming home and after school and mom would make some cookies and biscuits. And once again, that aroma and those memories certainly stay with us. Food is culture, like recipes passed down through generations. But my mom, fortunately, I cooked with her, because when I used to call her and ask her for more information about her recipes, what would she tell me? Well, Ginette, it's a little bit of this and a little bit of that. So fortunately, I was there to see what the little bit of this and the little bit of that was. Food is also tradition, like Christmas dinner, Thanksgiving, or the Passover Seder. As the late Anthony Bourdain once said, food is everything we are. Food for me is about family. En grandissant, la cuisine faisait partie de notre vie quotidienne. Et je dois l'essentiel de ce que je sais aujourd'hui au sein du domaine de l'alimentation grâce à mon père. Jardinier passionné, il adorait cultiver ses propres fruits, légumes et autres. Cela signifiait beaucoup d'aliments frais et nutritif sur notre table. Mais je dois dire, mon papa aimait jardiner, mais non pas cuisiner.
Donc, avec ma mère, nous passions ensuite du bon temps ensemble à cuisiner les récoltes obtenues. Malheureusement quand même, mon expérience est devenue de moins en moins commune. Aujourd'hui, trop d'entre nous doivent choisir la rapidité plutôt que la qualité, et nos habitudes alimentaires en souffrent. Elles ont également souffert d'un grand nombre d'informations qui peuvent être contradictoires et porter à confusion. Je parie que tout le monde dans cette salle a reçu des conseils diététiques sollicités ou non à un moment donné. L'Internet a fait augmenter cette situation en offrant toutes les options imaginables sur la façon de manger et sur la façon quoi manger, souvent de manière contradictoire. While healthy eating sounds easy, we know that often it truly isn't. Our lives are busier than ever, and it's often a struggle to find the time to make the healthy choice. I know oftentimes these days, as we're working on our healthy eating strategy, when I'm in the grocery store, I really take the time to observe people and their families and their children. And I see them with two kids in tow, rushing through the grocery aisles with the cell phone in hand and trying to make some healthy choices. Everyone is competing for time. I know just how challenging it can be to eat well when we're juggling work, travel, and family commitments. And I thought my life was hectic before I became the health minister. Well, we all know what that's about. But I'm hardly unique. Almost every Canadian feels this way at some point in time. Yet, it's not that. Our decisions about what and how we eat are the product of many different factors, from taste to tradition. Faced with these challenges, Canadians deserve an easy, simple source of advice they know that they can trust. C'est là que le Guide alimentaire canadien entre en jeu. Depuis plus de 75 ans, les Canadiens de partout au pays se fient au Guide alimentaire. L'histoire du Guide débute pendant la Seconde Guerre mondiale. Confronté à une pénurie de nourriture et à une population qui devait rester en bonne santé, le gouvernement du jour, Mackenzie King, a adopté le règlement officiel sur les aliments. Présenté en 1942, il visait à lutter contre la malnutrition tout en reflétant les réalités du rationnement en temps de guerre. Depuis 7 décennies, notre pays a énormément changé. Nous sommes plus riches et nous sommes certainement plus diversifiés. Nous avons accueilli de nouveaux Canadiens de tous les coins du monde, dotés de traditions culinaires uniques, tout en voyant émerger de nouveaux aliments dans toutes les régions du Canada. Et, tout comme le Canada a changé, le guide alimentaire a également changé. Pas moins de 8 révisions ont été apportées, la plus récente en 2007. Nous sommes passés d'un guide qui devait gérer les conditions alimentaires pendant la guerre, un guide qui explique comment manger sainement. C'est maintenant le 2e document gouvernemental le plus téléchargé en ligne après les formulaires sur l'impôt sur le revenu. Et je suis certainement convaincue que notre document est beaucoup, beaucoup plus agréable. Le but du Guide alimentaire canadien est toutefois resté même. Offrir aux Canadiens et Canadiennes des conseils pratiques et fiables sur quoi, pourquoi et comment manger. Il est temps d'écrire le prochain chapitre de cette histoire. Et voilà pourquoi que nous sommes ici aujourd'hui. Today, we are officially unveiling Canada's new food guide. And I think we deserve a round of applause for that. It aims to change the way Canadians see food, and it begins with a simple idea that eating should be a pleasure. Canada's food guide reflects an important concept. Healthy eating is more than just the food that you eat. And it gives Canadians the tools they need to eat healthy. It puts more focus on what, when, and how we eat, and less on food groups and servings. It gives clear, concise advice that everyone can easily apply to their everyday lives. Things like cooking more often, eating with others, in limiting highly processed foods. But the Canada Food Guide is more than just a colorful page. It's truly a powerful resource. It might be hard to believe, but the last time that the Food Guide was updated,
There was no such thing as an iPhone. And can any of us here even imagine a time without an iPhone? Since then, technology has transformed our world, and it has also transformed our food guide. And that is why this edition was updated, not just with the latest nutritional science, but also the latest technological changes as well. The familiar image is only the tip of the iceberg. This new food guide is really an extensive set of resources that every Canadian from coast to coast to coast has access to online. On canada.ca/foodguide, you'll find a host of materials from resources for health professionals to fun recipes we all can enjoy. And I'm telling you, this weekend when I get back home, there's a few recipes there that I'm going to be trying out. While previous food guides were static documents, this one is truly different. It will continue to be updated with the latest dietary knowledge over the coming years. Nous savons que les aliments mangés au Canada sont aussi diversifiés que la population canadienne, et le nouveau guide alimentaire en témoigne. Cela est particulièrement vrai pour les peuples autochtones, et je suis fière de notre travail avec nos partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ensemble, nous développons des outils spécialement adaptés à leur culture. La nourriture que nous mangeons est un élément essentiel de bonne santé. Cependant, l'inverse est également vrai. De mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner des maladies chroniques, dont beaucoup commencent malheureusement à se manifester chez nos jeunes. C'est pourquoi la nouvelle version du guide alimentaire que nous dévoilons aujourd'hui est si importante. Le guide alimentaire seul ne suffit pas, mais il s'agit de la pierre angulaire d'un ensemble d'initiatives visant à faire le choix santé un choix plus facile pour les Canadiennes et les Canadiens. Nous appelons cela la stratégie de la saine alimentation. Je sais que les gouvernements ont beaucoup de stratégies, mais je dois vous dire, celle-ci est différente. C'est un ensemble d'initiatives concrètes visant à aider les Canadiens et les Canadiennes à manger sainement. À quoi ça ressemble, peut-être que vous vous demandez? Mais premièrement, nous avons interdit les gratrans industriels. Deuxièmement, nous travaillons sur un règlement sur l'étiquetage sur le devant de l'emballage. Troisièmement, nous avons prévoyé de limiter la publicité d'aliments malsains à nos enfants grâce à un projet de loi actuel en cours d'adoption au Parlement. Nous avons aussi investi 25 millions de dollars dans le programme Participe Action afin d'aider davantage les Canadiens à devenir plus actifs. As one of the most recognizable things the government puts out, I know that many Canadians have a special affinity for the Canada Food Guide. For many, this goes back when they first saw it at school. And I know for me, when I think of the Canada Food Guide, I think of opening up my cupboard in the kitchen, and that's where it was when I was a child. As such, updating it is not a responsibility that we took lightly. The product is a beautiful, thorough and powerful tool to help all Canadians eat healthy. It reflects the Canada of 2019 while keeping an eye to the Canada of the future. It's a food guide that we truly can all be proud of. Before I conclude, I would like to thank the provinces and territories, health professionals, dietitians, and all of the other stakeholders for the important role they play, particularly in getting the food guide into the hands of Canadians and helping them apply it to their lives. We're guided by the same goal, helping Canadians make healthy choices and to enjoy their food. It doesn't need to be complicated, folks. It just needs to be nutritious, and might I dare also say fun. Merci d'être ici parmi nous aujourd'hui, et maintenant je vous encourage d'aller visiter notre nouveau guide. Merci beaucoup. Thanks again to each and everyone to being here. I look forward to having a chance and opportunity to chat after the formal event. Thank you. Merci, Madame la Ministre, pour ces mots inspirants et qui donnent en fait un bref aperçu de l'immense travail réalisé par les professionnels de votre ministère de la Santé. Tout particulièrement, je dois le souligner, par le Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition.
J'invite maintenant Mme Nathalie Savoie, diététiste nutritionniste et directrice générale des diététistes du Canada, à prendre la parole. Merci, Paul, et merci, Madame la ministre Petitpas-Taylor, pour l'invitation à parler aujourd'hui au nom des diététistes du Canada, dans ce lieu qui représente tellement bien le nouveau guide alimentaire. As the organization that represents dietitians in every province and territory, we've been eagerly waiting for this day. Dietitians work every day to improve the health of Canadians through food and nutrition and have been active participants in the revision process. They will be proud to see the results informed by scientific evidence and in line with the recommendations we provided in consultation. Dietitians undergo rigorous and comprehensive training and are the only regulated nutrition professionals in Canada. Today, we salute the many dietitians and members of DC who worked within Health Canada on the development of this food guide, as well as all the dietitians who contributed to focus groups and other stakeholder consultations. Plusieurs d'entre elles et d'entre eux sont ici avec nous aujourd'hui. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la perspective plus large que vous avez souhaité transmettre aux Canadiennes et aux Canadiens. Leur parler non seulement de ce qu'ils devraient manger, mais aussi de comment ils devraient le faire. Nous félicitons Santé Canada pour ses lignes directrices en matière d'alimentation à l'intention des professionnels de la santé et des responsables des politiques. Ces lignes directrices sont solides, réfléchies et s'appuient sur une mise à jour récente des données probantes. Santé Canada a traduit ces lignes directrices en 9 recommandations pour les Canadiens, une orientation que nous soutenons tout à fait. Ces recommandations sont simples, fondées sur des données probantes et tout à fait alignées avec l'approche que les diététistes utilisent déjà avec leurs patients et leurs clients, soit de cuisiner plus souvent, de prendre ses repas en bonne compagnie et de limiter les aliments hautement transformés. Nous sommes fiers de voir qu'une telle approche moderne et pertinente se retrouve dans les pièces que vous nous présentez aujourd'hui. The tools that make up Canada's Food Guide provide practical, evidence-informed guidance for healthy Canadians 2 years of age and older. Health Canada acknowledges that individuals with specific dietary requirements, including those receiving care in a clinical setting, need additional guidance or special advice from a dietitian. Dietitians are everywhere, and we're dedicated to supporting Canadians throughout their lifelong journey with food. We're also happy to see the inclusion of important considerations, namely traditional foods, cultural diversity, and environmental sustainability. Our members work in all provinces and territories, and we've advocated for increased access to traditional foods. Backed by the evidence, dietitians know this improves the quality of diets for many Indigenous peoples. We're pleased to see the diversity of food choices, including traditional foods, represented in the tools. La reconnaissance par Santé Canada que les choix alimentaires peuvent avoir un impact sur l'environnement suggère une direction pour le développement futur de politique. Les données probantes soutiennent la recommandation de choisir plus d'aliments d'origine végétale, y compris des sources de protéines qu'on identifiait auparavant comme des substituts, sans mettre de côté les aliments d'origine animale comme la viande et le lait. La conservation des ressources naturelles et la réduction du gaspillage alimentaire soutiendront un approvisionnement alimentaire fiable, abondant et durable pour les générations futures. Today's launch represents a bold and courageous step for health promotion in Canada, as an essential pillar of a food policy and of the broader healthy eating strategy. Health Canada is demonstrating its unwavering commitment to creating food environments that make it easier for Canadians to make healthier food choices. We note bold examples of this commitment. For example, the recommendation that foods and beverages offered in publicly funded institutions should align with the guidelines has the potential to drive major change. When it's easier to purchase vegetables, fruit, whole grains, and protein foods than it is to buy highly purchased foods and beverages, Canadians will make healthier choices. Pour le futur, les diététistes encouragent Santé Canada dans son engagement à poursuivre son cycle d'examen des données probantes.
Saisissez aussi l'occasion d'évaluer ces nouveaux outils une fois diffusés. Votre processus de développement s'est appuyé sur une large consultation et a été rigoureux et transparent. Nous vous encourageons à continuer d'être à l'écoute des besoins des Canadiens en matière d'information sur la saine alimentation, en particulier grâce à l'utilisation de votre plateforme en ligne qui héberge la série de ressources et permet de répondre aux besoins d'utilisateurs variés. Congratulations on this day as you proudly launch new dietary guidelines and new tools for Canada's Food Guide. We look forward to working across sectors and with all levels of government to help with their implementation and will continue to support the many elements of your healthy eating strategy. Toutes nos félicitations et longue vie au nouveau guide alimentaire. Merci, Madame Savoie, Nathalie. Je suis certaine que les citoyens à travers le Canada apprécieront l'accompagnement que pourront donner les diététistes de toutes les provinces. À mon tour maintenant. La participation de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec au lancement du nouveau guide alimentaire canadien allait de soi. Pourquoi? Parce que notre mission de protection du public, c'est aussi de valoriser l'importance de la nutrition et de la saine alimentation. Et parce que le travail quotidien des 3200 diététistes nutritionnistes du Québec, les seuls experts de la nutrition par leur formation universitaire, c'est notamment de prévenir, maintenir et promouvoir la santé et de la rétablir de façon durable dans le temps. The new versions of Canada's Food Guide is a great tool for bringing the latest knowledge in nutrition to everyone. It showcases the power that food has on our health. In its first publication in 1942, while the country was at war under ration, Canada's Food Guide aimed to prevent nutritional deficiencies. Today, society is elsewhere, as is our knowledge of nutrition. For the scientists and nutrition practitioners that we are, today is a truly exciting day. Il faut quand même réaliser que Santé Canada a fait un pas de géant en créant un tout nouveau guide qui mise sur la qualité et non plus sur la quantité. Permettez-moi d'aborder trois points: la démarche, le guide et l'importance de l'engagement de chacun. Tout d'abord, la démarche. Les données scientifiques sont en constante évolution et traduisent le dynamisme de la recherche en nutrition et en alimentation. La démarche décrite par Santé Canada, soit l'utilisation de données scientifiques solides provenant d'études indépendantes et la participation de nombreux experts, est une démarche rassurante que nous saluons. En ce qui a trait au guide, sa publication est une occasion exceptionnelle en tant que société de réfléchir à nos habitudes alimentaires et de poser des gestes afin de prévenir, maintenir et rétablir la santé à l'aide d'aliments variés, sains et peu transformés. Nous savons que l'alimentation est un des facteurs principaux du fardeau des maladies au Canada. Le nouveau guide mise enfin sur la qualité et non plus sur la quantité. Comme les diététistes le souhaitaient, il n'est pas prescriptif, c'est-à-dire qu'il ne nous dit pas combien de portions d'aliments manger chaque jour. Alors, que veut-on dire par qualité? On parle ici de la qualité de l'offre alimentaire et de la qualité des choix que nous ferons à l'épicerie, au restaurant ou ailleurs, en favorisant les aliments à leur état le plus frais possible et le moins transformé, et en adoptant l'eau comme premier choix plutôt que les boissons sucrées pour s'hydrater. Sans oublier que nos choix alimentaires ont un impact important sur l'environnement. On parle aussi de la qualité des compétences culinaires nécessaires pour bien nous alimenter et de la qualité des repas pris en bonne compagnie, par exemple en misant sur le plaisir de manger. Les messages du guide sont destinés à tous les Canadiens de 2 ans et plus et visent principalement la prévention, mais ils seront aussi utiles pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou de certaines pathologies. Il est important de rappeler que le guide ne remplace pas un plan de traitement nutritionnel individualisé fait par une diététiste
l'experte en alimentation et en nutrition. L'engagement maintenant. Nous sommes conscients que pour bien s'alimenter, il faut que chacun accueille le guide comme un outil, une ressource pour viser une saine alimentation. Bien sûr, pour y arriver, il faut y mettre un peu de temps, un peu d'énergie, comme Madame la ministre le soulignait. Si c'est naturel pour certains, cela représente un défi pour d'autres. Il serait si facile d'utiliser des aliments très transformés qu'on tente de nous vendre. C'est pourquoi, tout comme Santé Canada, l'Ordre encourage la population à demeurer vigilante face au marketing alimentaire. L'Ordre est convaincu que les objectifs de développement économique et l'accroissement de la capacité concurrentielle ne contredisent pas ceux visant une saine alimentation. Au contraire, nous croyons que l'élaboration de politiques en matière d'alimentation et de nutrition doit passer par une mobilisation de tous les acteurs concernés. Nous nous réjouissons donc que ce guide ait été pensé pour une diffusion très large, autant dans la population, dans le réseau de l'éducation que dans le réseau de la santé. Concrètement, nous souhaitons que les ministres de l'Éducation réintroduisent dans les parcours scolaires des enfants des heures de formation afin que nos jeunes puissent développer les assises nécessaires pour bien s'alimenter toute leur vie. Comme le font d'autres pays, l'école devrait être un endroit où les enfants mangent et développent le goût d'une bonne alimentation. As a final word, I would like to go for a unifying message. Supporting healthy eating is a responsibility shared by all. Tous ensemble, les gouvernements, les agriculteurs et les producteurs, les professionnels de la santé et de l'éducation, la population, et aussi l'industrie de la transformation alimentaire, nous avons un rôle important à jouer dans l'adoption de bonnes habitudes alimentaires. Utilisons le momentum créé par la sortie du nouveau guide pour donner un élan renouvelé aux efforts déjà investis. Merci. Alors, j'attire maintenant votre attention vers Madame Jessica Cole, qui est derrière Lilo. Je vais vous donner quelques secondes pour vous placer. Alors, Jessica Cole est une diététiste qui pratique au Québec. Jessica est passionnée par le potentiel qu'offre la nourriture comme moyen de contribuer à l'amélioration de la santé et de la qualité de la vie des gens. Les diététistes déploient une expertise diversifiée pour veiller à la santé des Canadiens par le biais de la nutrition. Jessica œuvre auprès des familles et des enfants pour surmonter les défis nutritionnels et soutenir le développement de saines habitudes alimentaires. Aujourd'hui, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Jessica Cole, qui parlera de la façon par laquelle les diététistes aideront sur une base quotidienne les Canadiens à mettre en pratique les recommandations du nouveau guide alimentaire canadien. Bonjour. Merci tout le monde. Merci, Paul, et merci, ministre Petitpas-Taylor, de me donner l'occasion d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la façon dont le nouveau guide alimentaire canadien influencera la vie des familles partout au pays, incluant la mienne. Les diététistes et décideurs politiques, entre autres, prendront en considération ces nouvelles directives et nous allons voir des changements au sein de l'environnement alimentaire, au fil des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. Les familles avec lesquelles je travaille aussi vont également réfléchir à ce que le nouveau guide signifie pour elles. Food is so much more than a source of nutrients that you put in your body. Food has the potential to prevent disease, to heal, and to bring us together, a little bit like today. And as a dietitian, one of my roles is to translate that complex nutrition into advice for the families that I work with, and for their unique needs especially.
En distinguant les faits de la fiction, les diététistes aident les familles à faire des choix alimentaires sains. Ils aident à faire la différence entre des régimes alimentaires qui sont équilibrés et ceux qui ne fournissent pas une alimentation optimale. Les diététistes jouent un rôle important dans l'éducation, dans les soins de la santé, dans le gouvernement et aussi dans l'industrie. The first thing I noticed when I looked at the new Canadian Food Guide is the diversity of foods that are included in this new guide. The foods represent many cultures and traditions. And I love the practicality of imagining our plate divided into three sections with a huge emphasis on fruits and vegetables, partly as well for proteins and for whole grains. So this is a recommendation just by looking at the plate that families can put into action right away. So let me show you a few foods that we have featured here today. And I'll draw your attention to some foods in this display. And so when I talk to families about food, we often talk about practical solutions. So how can we actually make this work in our family? And so I have a few foods here that offer those practical solutions that are affordable, that are convenient. And I'll draw your attention to these fruit and vegetables that are frozen. And so that's a convenient and affordable option, frozen fruit and vegetables. Did you know you can use frozen spinach and you can have, they sell frozen spinach, little cubes. Those are really, that's really practical to use. And also some chopped frozen onion. Who knew? Makes it so much easier, right? And so there's fruit and vegetables that are frozen, canned. Those are appropriate options as well for fruit and vegetables. And also, if you think of protein foods, another section on that plate, we can have some affordable options and convenient, such as these black beans, so canned legumes or canned beans like black beans and chickpeas. So those are affordable as well. Just to draw your attention to some of these foods. And so we also talk about the importance of developing food skills and passing on those that heritage through to our children. And as a parent, I could tell you, it can get very messy in the kitchen and it could get a bit hectic or very hectic. And so having them involved in the planning, in the shopping, and in the food preparation is amazing, and it has an impact, and just knowing that it has an impact on their health and on their development is great, and I'm so happy that that's emphasized in the new Canadian Food Guide. Alors, vous n'avez pas besoin d'être un chef professionnel pour préparer de la nourriture saine pour votre famille. Les parents me demandent souvent des recettes simples, des recettes santé. Donc, j'encourage les parents à s'amuser avec la nourriture, essayer des nouvelles choses. Et par exemple, j'ai relevé une recette de frittata dans le nouveau guide alimentaire canadien qui est très facile à préparer et qui prend moins de 20 minutes à préparer. Donc, vous pourrez consulter la recette dans le nouveau guide alimentaire canadien. Cette recette-là comprend beaucoup de légumes. Donc, on peut imaginer notre assiette avec les légumes. Donc, elle comprend une boîte au complet d'épinards frais. On peut aussi utiliser des épinards congelés qui sont très pratiques en petits cubes. Et puis, d'autres légumes qui sont inclus dans cette frittata-là, un poivron rouge et aussi de l'ail. On peut s'amuser avec cette recette-là, mais tout simplement, elle contient beaucoup de légumes. Aussi, les aliments qui sont protéinés, donc elles contiennent ces aliments-là, des œufs et du fromage. Donc, c'est une omelette qui se prépare très rapidement avec une grande variété de légumes. On peut voir les épinards se rétrécir. On fait cuire les légumes dans la poêle. On ajoute de l'huile d'olive, les œufs, le fromage et on met ça au four pour 3 minutes. Et c'est délicieux, ça fait un excellent déjeuner, dîner, souper, collation. Alors, donc, je me suis amusée dans cette version-là à ajouter du basilic frais
optionnel, avec du poivre également. Les légumes peuvent être variés également. Donc, pour un goût plus prononcé, j'ai ajouté du basilic frais. Vous pouvez servir la frittata. Ici, il y a un exemple d'une assiette. Vous pouvez servir la frittata avec un pain à grains entier et puis un grand verre d'eau pour un repas nourrissant. To conclude, I often say that nutrition does not have to be complicated. Since the new Canadian Food Guide aims to simplify our food choices, this is even more true. So take a look at the recipe in the new Canadian Food Guide. Vous pouvez trouver la recette de la frittata sur le nouveau site web du Guide alimentaire canadien. Et j'aimerais inviter une dizaine de personnes à venir goûter une bouchée de la frittata ici à l'avant. I'd like to invite about 10 people if you want to come and try this frittata and just a bite of this frittata. It's amazing and I'm telling you, it's very simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica. C'est un petit exemple de ce qu'on peut faire facilement. Quand je parlais de compétences culinaires, et Madame la ministre en a fait mention aussi, c'est de penser que le réflexe, comme j'ai failli avoir à 8 heures quand je suis sortie du bureau vendredi dernier d'appeler une pizza, de dire « Ah ben j'ai des œufs, j'ai du fromage que je peux râper, j'ai un poivron, on s'est fait un bon repas ». Et c'est vraiment moins cher et plus rapide. J'inviterai Madame la ministre et Madame Savoie à venir me rejoindre au podium, puisque vous avez maintenant, Mesdames, Messieurs, un aperçu du tout nouveau guide alimentaire. Des démonstrations des outils en ligne auront lieu suite à la période de questions. Nous serons aussi toutes trois disponibles pour des entrevues individuelles. Je laisse maintenant la parole à M. Thierry Bélair, attaché de presse de la ministre, qui agira comme modérateur lors de la période de questions. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est quelques instants à médias pour se passer. Je pense que tout le monde est installé. Alors, on va passer à la période des questions. Comme il a été dit, il y aura possibilité d'entrevue individuelle par la suite. Je vous demanderai de vous nommer, s'il vous plaît, ainsi que le média que vous représentez en posant votre question. Merci. Vous pouvez y aller au fond. Hélène Rondeau, nutritionniste de Radio-Canada. J'ai remarqué dans le document du nouveau guide que l'eau est la boisson de choix qui est mise de l'avant. Bravo. Je m'inquiète par contre du fait que dans les solutions pour remplacer l'eau comme boisson non sucrée, on parle de lait, très bien, on parle de thé, de café, mais il y a une mention des boissons végétales et j'aurais aimé que le mot « enrichi » soit là parce que je m'inquiète que des gens vont délaisser certains produits laitiers et que la consommation de calcium, vitamine D va peut-être être un peu déficiente. Est-ce que ça n'aurait pas été préférable que le gouvernement demande obligatoirement que les boissons végétales soient enrichies, ce qui n'est pas le cas présentement? Et encore une fois, nous nous avons basé sur les recommandations scientifiques qui ont été faites.
nous reconnaissons que l'eau est absolument la boisson de choix. Nous encourageons souvent les gens qui vont manger des fruits, des légumes. On préfère qu'ils vont manger les fruits et légumes et non pas les boire. Pour la question du lait quand même, nous reconnaissons que le lait, les produits laitiers, c'est quand même une bonne source de calcium, de vitamine D. Et puis encore une fois, quand on regarde la catégorie, on peut quand même voir que la catégorie de produits laitiers est quand même indiquée dans le guide alimentaire. Oui, tout à fait. Mais Mme Actrice, il y a beaucoup de consommateurs maintenant qui se tournent vers le végétarisme et des options végétales pour remplacer le lait. Donc, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas que le gouvernement aille de l'avant avec un projet de loi qui obligerait les compagnies de boissons végétales à enrichir de calcium, de vitamine D, de vitamine B12, etc. Mais à ce point-ci, le lancement du guide alimentaire, quand même, nous voulons s'assurer que tous les Canadiens vont avoir accès à un guide pour bien les outiller à faire des bons choix santé. C'est sûr que plusieurs autres projets de loi qui s'en viennent quand on parle de notre stratégie de la saine alimentation, j'en ai fait bref mention ici aujourd'hui, mais pour moi, la question de nutrition, de saine alimentation est une priorité pour moi comme ministre, mais aussi pour nous comme gouvernement. Mais je pense que premièrement, on doit savoir que le guide alimentaire n'a pas été fait du jour au lendemain. Nous avons commencé nos consultations en 2016. Puis je tiens aussi à remercier mon ministère pour le travail excellent qu'ils ont fait durant tout ce processus. Et puis, nous avons demandé aux Canadiens, premièrement, qu'est-ce qui faciliterait leur vie avec leur guide alimentaire. Ils nous ont dit qu'ils cherchaient de l'information qui était simple, facile à comprendre, et puis des informations aussi qu'ils pouvaient appliquer dans leur vie au quotidien. Souvent, les Canadiens nous disaient qu'ils ne comprenaient pas la question de portions, des cuillères, toutes sortes de choses comme ça. Ils voulaient qu'on simplifie le processus. Ça fait qu'au lieu de parler de portions, nous parlons de proportions. Ça fait qu'on regarde l'assiette, c'est quand même très simple à comprendre. On encourage les gens à manger beaucoup de légumes et de fruits. Ça fait qu'on voit que c'est la moitié de l'assiette. Et puis, encore une fois, en proportion, la question de protéines ainsi que des grains entiers. Ça fait que les gens comprennent un peu c'est quoi que l'assiette devrait ressembler. Puis je pense aussi que comme Canadien, Canadienne, quand même, on comprend si qu'on a faim ou si qu'on a trop mangé. Fait que je pense qu'on doit écouter notre corps pour savoir exactement suivre ces conseils-là, puis écouter à notre corps. Mais encore une fois, comme que nous avons dit, nous ne parlons plus quand même de catégories de ce genre-là, mais plutôt quand on parle du guide alimentaire, on voit que quand même les produits laitiers sont incorporés dans la section des protéines. Nous reconnaissons absolument que les produits laitiers sont une bonne source de calcium, de vitamine D. Et puis encore une fois, nous voulons s'assurer que le guide alimentaire canadien rencontre les besoins de tous les Canadiens et Canadiennes. Parfois, il y a une partie de la population qui ne consomme pas des produits laitiers. Fait qu'on veut s'assurer que notre guide alimentaire va rencontrer les besoins de tout le monde. Myriam Fabry de Radio-Canada. Pensez-vous qu'une assiette comme celle-ci peut coûter plus cher ou moins cher aux Canadiens? Et avez-vous évalué, par exemple, le prix de l'alimentation pour une famille de 4 pendant une semaine qui suivrait scrupuleusement vos recommandations? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Si on regarde le guide alimentaire, même cette photo sur l'assiette, je dois vous dire, peut-être à l'œil nu, vous pensez que peut-être que c'est toutes des légumes qui sont frais. Mais effectivement, je dois vous dire que le brocoli et les carottes, ce sont des produits qui sont congelés. Les tomates qui sont là, peut-être qu'on a un peu de difficulté à le voir sur l'acétate, mais c'est quand même des tomates qui étaient achetées en canette. Ça fait que nous avons pris toutes ces choses-là en considération, puisque nous reconnaissons que la question sécurité à l'alimentation est clé aussi, une discussion que nous continuons à avoir. Mais nous pouvons voir quand même que pour faire des choix santé, on peut quand même faire des choix qui sont abordables. Et puis nous avons pris ça en considération en développant le guide alimentaire. Avez-vous évalué le montant que ça pourrait coûter pour une famille, par exemple, pendant une semaine? Ça
Savary, encore une fois, mais je peux vous dire que cette analyse-là, cette inquiétude-là a quand même été incorporée dans la création de notre guide alimentaire. Et puis encore une fois, si on regarde le guide aussi, je dois dire, c'est plus que juste la nourriture aussi qu'on consomme. Vous allez voir, une fois que vous allez avoir la chance d'aller à la maison puis vraiment vous amuser, il y a vraiment beaucoup d'informations qui est vraiment utile pour comment s'y prendre, pour aller faire nos achats. Même question d'aller au resto, comment faire des choix santé. Puis aussi comment impliquer nos enfants dans la cuisine à domicile. Ça fait, je vous encourage une fois encore d'aller vraiment regarder à fond notre guide. J'aimerais compléter à titre de nutritionniste qui a pratiqué 37 ans dans le réseau aux soins intensifs où j'accueillais des patients qui subissaient des pontages coronariens et qu'on avait, dans le fond, laissé tomber tout au long de leur vie en santé publique, c'était mal alimenté. Et là, ils nous arrivaient puis il était trop tard. Et quand on parle du coût de l'alimentation pour une famille, et je ne veux pas non plus minimiser les difficultés économiques de différentes familles. Mais il faut penser aussi que quand on vieillit et qu'on est malade, on peut faire face à une perte de salaire, à des journées de maladie qu'on n'avait pas anticipées. Donc, il faut regarder l'ensemble des impacts d'une mauvaise ou d'une bonne alimentation, d'une alimentation optimale versus une alimentation qui mène aux maladies cardiovasculaires, au développement du diabète, etc. Donc, c'est pas juste le dollar de l'assiette, mais c'est potentiellement le manque de revenus pour ces familles-là à long terme. Absolument. Encore une fois, comme nous avons dit, la question de lait et puis produits laitiers, nous reconnaissons que ça appartient vraiment au groupe de protéines. Et puis, nous reconnaissons que c'est une bonne source de calcium et puis de vitamine D. Ça fait que ça tombe très bien dans cette catégorie. Des exemples de viande, vous avez dit? Viande rouge, mais donc je sais que ça faisait partie des recommandations, donc d'avoir peut-être des idées un peu plus concrètes pour les consommateurs. Concrètement, c'est là que les diététistes sont utiles. On traduit la nutrition en recommandations concrètes. Il y a toute la notion, peu importe si on parle d'une espèce animale ou d'une autre, le choix des coupes aussi. Alors, les croûtes plus ou moins, les parties plus ou moins grasses et aussi la façon de les cuisiner avec plus ou moins de gras. Et une des recommandations du guide, ce n'est pas nécessairement de diminuer l'apport total en gras ou lipides, c'est de remplacer les gras par un meilleur type de gras. Donc, peut-être choisir des coupes plus maigres avec une cuisson plus lente qui permet de les attendrir et de l'agrémenter avec certaines huiles ou dépendant des recettes. Là, Prochaine question. Oui. Senator Manager of the Canadian Press, I just wanted to ask you, judging from what you see on that plate, do you think this is going to dramatically change how Canadians eat, or do you think Canadians are already heading towards what this guide is recommending now as the right way to
Well, I truly think it's a very good question that you ask. And when we consulted with Canadians, we consulted with close to 30,000 Canadians that took part in our consultation process. And we certainly recognize that as Canadians, we live in very much a multicultural country now. We have over 37 million Canadians, and many people follow different types of diets. Therefore, we certainly recognize that what we see in front of us certainly, you know, is a trend that many Canadians, you know, are seeing. We certainly want to provide them with good dietary information. We want to make sure that people can see what are the options that are available. And once again, we encourage Canadians to eat a variety of different foods to get the nutrients that they need. Thank you very much for your question. One of our priorities for sure is to help Canadian families, middle-class families, and those working hard to join the middle class. And I'm very proud that our government in 2016 launched the Canada Child Benefit Program. This benefit has lifted hundreds of thousands of children out of poverty. And the reason oftentimes where this money is being spent is an actual fact to help families being able to purchase healthier quality food for their kids. We recognize that the money that has been invested in the Canada Child Benefit, the money that goes to families that are most in need, we recognize this money is not going in their bank accounts. This is paying for everyday things like snacks and foods for their children to make, once again, the healthy choice, the best choice for them. So our government certainly recognized that we have a role to play in assisting families, and that's why that we've moved forward with the Canada Child Benefit. If I can also add with the issue of seniors, we've put in place an increase in the guaranteed income supplement for seniors by 10%. We increased the guaranteed income supplement back in 2016. And for an average low-income single Canadian senior, that's an average of an additional $100 a month with their guaranteed income supplement. So we certainly see that $100 a month can certainly make a big difference when you go to the grocery store. So those are the types of investments that we're making to ensure that Canadians can live, you know, better and in a more safe and affordable environment. Those are very, very interesting ideas and suggestions. As I've indicated earlier, with respect to our healthy eating strategy, we've moved forward with several pillars of our strategy. Again, food safety, healthy food is absolutely a priority for our government. It's a priority for myself. And we will continue to engage with stakeholders as we move forward with respect to our strategies. Perhaps that my colleagues would like to add some information. I would add to that advocating for better food skills in children and families is certainly a way to lean towards healthier eating for all Canadians. Because when you're able to cook your own food, as the example you were giving, then it makes it easier to have a healthy meal at a lower cost. The example that Jessica gave us earlier is quite affordable if you're, you know, you mentioned the red pepper, but depending on what choices of vegetables you would use, if you use more onions or a frozen spinach, it can still be very affordable. En 2019. Wait and see. Je voudrais peut-être juste ajouter que, comme diététiste, c'est certain que ce document-là est de la plus grande importance parce que, comme vous le mentionnez, ce qu'on retrouve dans les recommandations pour les consommateurs, c'est très intéressant, très important, et le document des lignes directrices nous donne la science qui est derrière.
mais certainement pour toutes les diététistes qui travaillent en institution ou qui aident des services de garde ou des cafétérias scolaires, le détail des portions, des aliments, des types d'aliments, c'est là qu'on va le retrouver et c'est certainement un document qu'on attend avec impatience. Une ou deux questions de plus. Oui. This is for the minister. I'm just wondering what led to the decision to remove servings and portion sizes from the food guidelines. Well, once again, we have a team of experts at our department that have done a lot of work nationally and internationally and have really looked at best practices. As one of the speakers indicated today, it's really not about the quantity of food, but the quality of food. So we certainly want to make sure that our Canada Food Guide is very user-friendly. And we've heard from Canadians that in past approaches, when it came to serving cups and measuring cups and the rest of it, it just became very complicated for them. So when we look at this plate of food, however, we can see it just kind of makes sense. It's easy to understand. And when we go, when we're at home and we want to make the food choices, I think that we can really all visually see on our plate what half a plate of fruit and vegetables could look like, and if we talk about protein and whole grains. So it's all about making the experience easier for Canadians and also making healthy choices.